Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sur quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine. Voilà. Quel est votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? Il y a quatre choix, quatre cartes différentes avec quelques cartes que j'ai prétirées. Et d'autres que je tirerai durant cette guidance. Ok? On y va? C'est parti. Choix numéro 1. Voici le choix numéro 1. Il est noté ici, ma maison est mon château. Voilà, premier choix. Quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? Le deuxième choix. Il est noté ici comme un oiseau. Et voici le deuxième choix. Quel sera votre prochain moment de réussite, de chance, et dans quel domaine? Troisième choix. Il est noté ici, jour et nuit. Jour et nuit. La question ici et de découvrir quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine. Et enfin, le dernier choix. Pour savoir quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine, des clés aux arbres. Voilà. On commence par le premier choix. Va, à travers les cartes qui sont ici et celles qui vont tomber, nous parler de votre prochain moment de réussite et de chance dans la vie. Et dans quel domaine? Alors, ma maison est mon château. Votre porte-bonheur. La carte ancienne avec le Normand. Et la carte qui dit penseur. Ok. Quel sera votre prochain moment de chance, de réussite, dans quel domaine? Je suis là, tu es là, éclaire-moi, je suis là, tu es là. C'est une petite dernière. Quel sera pour les gens du premier groupe votre prochain moment de chance
Et dans quel domaine? On a le 7 d'épée, la reine d'épée, le pape, le 6 de coupe, le 8 d'épée, la tour, la tempérance. Le 7 d'épée, la reine d'épée, le pape, 6 de coupe, le 8 d'épée, la tour et la tempérance. Ici, le prochain moment de réussite, c'est quelque chose qui sera lié à ce que vous avez bâti, construit. Pas à pas, au fur et à mesure. Quelque chose que vous bâtissez peut-être maintenant. Avec des fondations solides. Vos projets, vos projections, vos réflexions. Et même votre réaction aux événements, votre calme dans la tempête, qui seront ici payants. C'est une espèce de récolte de vos efforts, de vos réflexions, de vos projets. Ici, vous êtes maître à bord, d'accord ? Le prochain moment de chance, de réussite, vous êtes en train de le ou la construire. Vous êtes avec la reine d'épée et ceci, peu importe l'environnement finalement. Peu importe ce qu'on a pu vous enlever ou les éléments extérieurs ici n'interviennent pas. C'est vraiment ce qui a pu vous déstabiliser. Hein, avec le 8 d'épée, avec le 7 d'épée, ce qui a pu vous être enlevé ou retiré, ou peu importe dans quelle situation vous avez pu être précédemment, vous êtes la reine d'épée. La reine d'épée, elle est pragmatique, elle réfléchit, elle utilise son énergie à bon escient, elle ne se disperse pas. Votre prochain moment de chance de réussite, vous en serez le constructeur, la constructrice. Les événements extérieurs n'interviendront pas ici. Avec le pape, vous avez compris des choses, on vous a enseigné des choses, la vie vous a enseigné des choses. Là, vous créez pour vous, vous bâtissez pour vous. Vous faites les choses pas à pas, c'est mentalisé, c'est pas quelque chose de brouillon ici. Que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, ici, votre prochain moment de chance, il sera vraiment de votre fait. Il sera vraiment, comment dire, vous avez la capacité d'être vous-même, votre chance. Comment te dire ? Dans d'autres, il y a trois autres tirages. Dans les autres tirages, il est possible, même si je reste persuadée qu'évidemment, nous avons la possibilité de,
de faire se manifester la chance, mais ici en particulier, vous êtes votre chance finalement. Vous mettez tous les moyens en œuvre pour que la chance vous sourie. Typiquement, vous êtes le genre de personne qui met toutes les chances de son côté pour réussir à atteindre un objectif. Vous pouvez être pugnace, ne jamais vous laisser démoraliser finalement. Et vous vous faites confiance. Vous êtes quelqu'un qui pouvait construire votre chance par votre mental, par votre pensée. Vous, concrètement, avec la tour et la tempérance, vous pouvez, de manière subtile, réfléchie, pensée, sortir de toute situation qui pourrait être délabrante, destructrice. Vous êtes le genre de personne qui, peu importe les circonstances, est capable, pas à pas, de regarder se matérialiser sa chance, sa réussite. Vous vous donnez les moyens ici. Vous n'attendez pas que ça tombe du ciel. Vous, en fait, quand la question est de savoir quel sera votre prochain moment de chance, dans quel domaine vous réussirez, c'est très simple ici. Vous réussirez dans les domaines que vous avez décidé de réussir parce que vous, comment dire, vous, ma maison est mon château, ma réussite est le fruit de mon travail, d'accord ? Ma maison est mon château. Vous faites de votre maison votre château. Vous avez cette capacité là en fait. Donc quel sera votre prochain moment de chance, de réussite ? Je dirais que pas à pas, vous allez vers ce qui est vraiment bon pour vous. Vous êtes structuré. Vous avez une forme de connaissance en fait du mot chance. Vous avez conscience de ce que c'est la chance et la réussite. Et vous êtes les artisans, les artisanes de cette chance et de cette réussite. Alors, vous dire à quel moment la chance et la réussite va vous sourire, je pense qu'en fait il faut être conscient ici et consciente que pour vous il n'y a pas vraiment de moment, parce que c'est pas à pas, parce que c'est au jour le jour que vous construisez et que vous amassez vos chances de réussite, et ceci dans tous les domaines à partir du moment où vous êtes à l'initiation du projet. Par exemple, si vous voulez construire une société, par exemple, que vous y avez pensé, que vous êtes en train de penser à ça, à partir du moment où vous prenez en main cette chose, vous allez vers la chance et vers la réussite. Vous êtes des gens chanceux qui... alors peut-être que vous n'êtes pas chanceux depuis toujours, chanceuse, mais à vrai dire, le prochain moment de chance, vous êtes engagé dans la chance et dans la réussite déjà. D'accord ? Donc, continuez à croire en vos projets, en vos constructions, en ce que vous avez mentalisé, parce que pas à pas, tout ça va se manifester et se matérialiser. Votre moment de chance, c'est la récolte de vos efforts. D'accord ? Vous allez récolter tous les efforts que vous avez accumulés. Tout ce que vous avez mis en place,
au fur et à mesure du temps qui est passé va vous amener à cette réussite. Donc, votre chance, c'est l'objet de vos réflexions, de vos projets et de vos projections. Parce que vous ne manquez pas de réflexion avec, par exemple, cette reine d'épée, vous ne manquez pas non plus d'énergie pour mettre en place vos projets. Pas à pas, vous allez vers de la chance, de la réussite et une espèce d'accomplissement. Donc pour vous, c'est la matérialisation de tous vos projets, pensées et de tous les efforts que vous avez mis en place précédemment qui va se matérialiser bientôt et qui va être vraiment le résultat de toute cette force que vous avez en vous en fait. Une force de caractère et une force de croire en l'incroyable et en votre réussite. Vous êtes vraiment ici. Elle ne viendra pas du ciel, elle vient de vous en fait. Et de toutes vos actions et de tous vos projets. Vos projets seront couronnés de succès parce que vous avez la force et aussi vous avez l'intelligence avec la carte du penseur et de la cartomancienne. Vous avez la clairvoyance. Vous êtes fin, vous êtes fine, votre esprit est fin. Et vous avez la possibilité de tu vois, avec la cartomancienne, elle a plein de cartes dans son jeu, en fait. Elle a plein de cartes dans son jeu. Donc, en fait, elle peut les aligner et accéder à une réussite, à une chance, par elle-même. Et dans tous les domaines qu'elle veut, en fait, finalement. Et ici, on a des bâtisseurs, des constructrices de leur propre chance. Il n'y a pas vraiment de moment pour toi où tu auras entre guillemets un coup de chance. Non, en fait, ta chance, c'est le résultat de tes pensées, de tes constructions mentales, physiques. Tu te bats et tu vas réussir dans les domaines où tu souhaiteras réussir, de toute façon. Ici, il n'y a aucune raison parce que tu suis ta propre guidance. Et de façon très calme, apaisée, pas à pas, peu importe de vicissitude, tu réussiras. Et tu iras vers cette réussite. Et pourtant, il n'y aura pas vraiment de moment. Tu as déjà commencé le chemin de la réussite et de la chance, en fait. Elle est déjà sur ton chemin. Tu n'as plus qu'à à la garder et à la garder précieusement, cette chance, et à la faire fructifier. Et c'est tout ce que je te souhaite. Et je te fais des gros bisous, et je te dis à bientôt. On va passer au deuxième groupe. Donc le deuxième groupe avec l'oiseau, donc qui nous dit comme un oiseau d'ailleurs. Quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine vous allez réussir? Ok, c'est parti. On a la carte comme un oiseau, très jolie carte. Ouh, la carte le papillon.
Ok. Il y a quelque chose de léger avec l'oiseau, le papillon, quelque chose qui se libère, qui s'envole. Oh, le cercueil, la transformation. Pareil, le papillon, transformation. Les deux sont liés. Et la croisée des chemins. Donc c'est un moment important ici. Et d'ailleurs, regarde, c'est le chiffre 13. Ok. Et avec le 10, il y a la fin de quelque chose aussi. Alors, quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? Quelle sera, des belles cartes. Quel sera votre prochain moment de chance, de réussite? Et dans quel domaine? Quel sera votre prochain moment de chance, de réussite? Et dans quel domaine? Je suis là. Je suis agressée par mes propres cartes. Non, je blague. 1, 2, à 2, 4. Ici, 1, 2, 3, 4. 4 cartes, 2, 2, 1, 4 de bâton, 1, 4 de denier. 1, 2, 3, 4, 5. Quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? J'y suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 4 de bâton. Le monde. L'as de coupe. Le 4 de denier. Le diable. Le 10 de coupe. Et la force. Alors, un très très joli tirage ici. Ok? La carte comme un oiseau, le papillon, le cercueil, la croisée des chemins. Ici, on est en train de te proposer de regarder de l'avant. De regarder de l'avant. De ne plus regarder en arrière ici. Ok? On propose ici à travers les cartes de s'alléger de quelque chose. D'accord? On propose d'enterrer quelque chose du passé, ok, et d'être à un moment de transformation, ok. On demande de regarder de l'avant, d'enterrer aussi ce qui peut faire mal, et une fois ce travail fait, d'enterrer ce qui peut faire mal, peut-être le passé, de faire une espèce de deuil du passé. Eh bien, avec la croisée des chemins, on peut aussi parler de l'obligation de faire un choix nécessaire. D'accord? Ici, quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? La première réponse, c'est libérer de certaines conditions en choisissant d'aller de l'avant, on reconnaît ici qu'on doit faire un choix, faire un deuil, enterrer ce qui fait mal pour aller de l'avant et croire en sa capacité de se transformer. Ici, il y a, avec le 4 de bâton, le 4 de denier, il y a une forme de stabilité qui vient, ou qui est peut-être déjà un peu là. Et cette stabilité doit être, si tu veux, une espèce de pierre d'achoppement pour aller de l'avant et pour aller vers ta chance et ta réussite. Il est tout à fait possible ici avec l'as de coupe,
le diable qui va parler aussi de d'amour et puis de désir. Le 10 de coupe qui va nous parler de famille, de joie, de le monde qui nous parle de succès, de récompense. Et ici, on peut parler d'un succès, d'une réussite dans le domaine sentimental, familial, réussir à, avec la force et le courage, peut-être même le soutien avec le 10 de coupe, une forme de soutien qui peut être un soutien familial, amical, etc. Ici, je dirais que on peut, il faut, pardon, ici ce qui est dit à travers les cartes, avec le papillon, le cercueil, la croisée des chemins, et comme un oiseau, il est dit ici que il faut aller vers une joie de vivre, il faut regarder devant, il y a un renouveau qui vient, c'est sûr, hein, donc il y a une réussite, il y a une chance qui vient, dès lors, et que ce soit matériellement parlant, en termes de stabilité, que ce soit sentimentalement parlant, il y a une récompense, il y a des choses bonnes qui viennent vers toi, il y a aussi même une force qui revient, ça peut être aussi en termes de santé. À partir du moment où on sait qu'on a la capacité de se transformer, qu'on se fait confiance et qu'on se concentre et on reste motivé vers faire le deuil du passé, de ce qui s'est passé et aller de l'avant. Le prochain moment de chance, de créativité, de réussite, c'est lorsque tu laisseras, tu as peut-être même commencé le processus de te sentir plus léger, plus légère, débarrassée du passé et à filant vers l'avant. Ici, avec le cercueil et le papillon, j'ai envie de te dire, effectivement, pour être plus léger, plus légère, tu laisses partir l'ancien. Tu as même certainement commencé à faire ça parce que la porte est ouverte ici. D'accord? Donc continue tes efforts de laisser partir l'ancien et d'accueillir le nouveau. D'accord? Donc tout ce qui fait mal, on laisse de côté pour aller de l'avant. Libérée et plus léger, plus légère. Plus fort, plus forte. Ici, tous les domaines sont impactés. L'as de coupe, le 4 de denier, le 4 de bâton. À quel moment tu iras vers la chance et la réussite? Ici, ce qui est dit à travers les cartes, c'est que les domaines sont larges. Ça peut être le boulot, ça peut être le financier, ça peut être l'amour, ça peut être beaucoup de choses ici. La force aussi qui revient. À partir du moment où tu es libéré et que tu fais un choix qui est nécessaire et qui te libère du passé. Le moment de chance et de réussite, c'est l'acceptation d'enterrer ce qui pèse, l'ancien, le lourd, le. Une fois que on est beaucoup plus léger ici. Et on se concentre sur devant, pas derrière. On ne regarde plus derrière. On sait qu'on n'avance pas en restant regardé dans le rétro, en fait. D'accord? Donc, le passé, c'est derrière. Et la réussite et la chance, eh bien, c'est devant. Et dans tous les domaines. Et il y a cette espèce de. C'est la croisée des chemins, hein, il y a cette espèce de. D'être un petit peu exhorté à faire un choix.
et on est libéré. On n'est plus libre, on se transforme grâce à ce choix. Le choix de laisser de côté ce qui empêche à la manifestation de ta chance et de ta réussite. Courage, contrôle, force, choix obligatoire, et ainsi se manifesteront chance et réussite. Voilà, il n'y a plus qu'à. La réussite sera vraiment spectaculaire. Une fois bien compris qu'on laisse de côté l'ancien, le lourd, ce qui nous collait au sol avant, et on regarde droit devant. Et la chance, elle est juste devant toi. Et probablement que tu as déjà commencé à ouvrir la porte vers cette chance. Et c'est tout ce que je te souhaite. Je te fais des gros bisous et je te souhaite beaucoup de réussite et de chance sur ce parcours. Bisous. Alors, troisième choix, le choix qui s'appelle jour et nuit. Quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? Troisième groupe, c'est parti, jour et nuit. Le muguet. La maison, le foyer. Et la co-création. Alors, quel sera votre prochain moment de chance, de réussite, et dans quel domaine? Je suis là. Tu es là. Clairement. Je suis là. Ouh, ouh là là. C'est je suis là. Ah, elle est tombée. Je vais la ramasser. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. 4, 5, 6, 7. Ok. Alors ici, ce qui est dit ici avec... on a le chariot, la papesse, le cavalier de bâton, le créateur avec la carte non, le 5 de coupe, le 8 d'épée et le valet de denier. Si on combine ces cartes avec jour et nuit, le muguet, le foyer, la maison et la co-création, ici, quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? On peut parler d'une chance, d'une réussite dans un milieu. Il y a deux solutions ici, il y a peut-être même les deux ensemble. Niveau professionnel,
le muguet est offert le 1er mai, c'est la fête du travail. Donc c'est ça qui m'indique le côté professionnel. On va parler aussi... Il y a le cavalier de bâton aussi qui peut parler du pro. On peut aussi parler de la famille, mais elle ne ressort pas dans le tarot. Donc en fait, ici, il y a, avec la carte jour et nuit, on peut parler d'hésiter, de se questionner, de ne pas connaître la réponse à certains sujets, d'accord ? En termes de des problèmes familiaux, des problèmes de travail, etc., etc. Là, vous êtes dans une situation de questionnement, on ne sait pas, on hésite, on ne sait pas, on se pose des questions jour et nuit, d'accord ? On ne sait pas. On ne connaît pas la réponse. Pourtant, il faut savoir ici avec la papesse, avec le chariot, avec le créateur qui dit non, c'est que vous êtes capable de gérer n'importe quelle situation, qu'elle soit familiale, professionnelle. En fait, quel sera votre prochain moment de chance de réussite? C'est quand vous aurez accepté, compris et assimilé que vous êtes capable de sortir de n'importe quelle situation finalement. D'accord ? Le 8 d'épée ou le 5 de coupe, ce sont les... Vous avez peut-être la sensation que les événements extérieurs, les gens à l'extérieur peuvent vous frustrer, vous enfermer, partir. Vous pouvez avoir eu un sentiment de perte aussi, ça c'est possible. Mais en tout cas ici, le seul maître à bord, c'est vous. Avec le valet de denier, le cavalier de bâton, de toute façon... Vous savez faire votre travail. De toute façon, vous êtes une belle, une bonne personne. Peu importe ce que diront les autres. Famille, pas famille. Ami, pas ami. Vous êtes une personne intègre. Ici, vous pouvez compter sur la présence d'autres personnes autour de vous, un conjoint, un ami, des gens autour de vous, d'accord ? Faire une sorte de partenariat avec les autres. Mais si vous voulez, en fait, le truc, c'est que quand on demande quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine, à vrai dire, la chance et la réussite peuvent arriver dans plusieurs domaines. Le domaine de la famille, le domaine de la stabilité, ça peut être aussi la stabilité financière avec le valet de denier, ou bien une stabilité de travail ou des choses comme ça, ou voilà. Mais ici, ça vient comme un cadeau. C'est pas quelque chose que qu'on peut maîtriser réellement. D'accord ? Le prochain moment de chance, de réussite, ça sera un cadeau qui vient de l'extérieur en fait. Ou bien une accumulation de cadeaux venus de par un partenariat, une aide extérieure et tout ça. Tu vois, c'est je te donne un exemple. Ici, la maison, le foyer, c'est le roi de cœur. Le roi de cœur, si tu veux, ça va être le roi, le chef de famille. D'accord ? Ici, si tu veux, ton prochain moment de chance de réussite, en fait, il t'échappe.
C'est un cadeau que tu vas avoir de la part de tes enfants qui vont être chaleureux, gentils avec toi, qui il y aura des jours meilleurs avec ces personnes-là, par exemple. Sinon, au niveau du travail, ça peut être une promotion, ça peut être une prime, ça peut être, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est pas quelque chose que tu maîtrises. Tu vas vers un succès, tu vas vers un progrès. Ne t'arrête pas là. Mais la réussite, la chance, elle va venir surtout de l'extérieur ici. Avec la co-création, avec le muguet qui est un cadeau qui vient de l'extérieur. Continue ton rôle de bon père de famille ou de bonne mère de famille. Continue à être une bonne amie, continue à être une bonne compagne, un bon compagnon. Tu vas de toute façon vers un succès, vers une chance, mais ce succès ou cette chance, elle vient à toi. Elle vient de l'extérieur de toi. Continue à être la belle personne que tu es. Mais ce que je sais ici à travers les cartes, c'est que ton prochain moment de chance, de réussite et de succès viendra comme un cadeau, de manière inopinée. Et il y en aura des autres, de l'autre, des autres. Ici, il faut continuer avec force à être la personne que tu es, pour ainsi récolter ce cadeau que sera cette chance, cette réussite. Tu es une belle personne ici. Ne change pas. Tu n'as pas toutes les réponses. C'est comme ça. Parfois, les réponses, elles sont dans les autres personnes, dans leur comportement. Ici, ce qui est dit, c'est que la chance, la réussite, le succès viendra comme un cadeau, en récompense d'avoir suivi comment te dire? D'être resté qui tu es ici. On ne demande pas de changer ici. On demande simplement de savoir que tu n'as pas toutes les cartes en main, que tu auras beau hésiter, te questionner, ne pas connaître la réponse à tout, c'est normal. On ne vit pas seul dans une grotte. La réussite, la chance viendront comme un cadeau ici et dans les domaines qui sont importants pour toi. Ça vient, c'est sur la route, c'est sur le chemin. Et ça viendra comme un cadeau. Comme ce joli brin de muguet qui vient ici. Voilà, je te fais des gros bisous et je te souhaite donc énormément de chance et de bonheur qui vient vers toi. Quatrième et dernier choix. Alors, le quatrième groupe, quel est votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? Alors ici, on a des clés aux arbres, la coccinelle. Le jardin, lieu public et heureux hasard. Waouh! Ça, c'est du trèfle à quatre feuilles. Alors, quatrième groupe. Okay.
sûr. Éclaire-moi. Quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? Pour les personnes du quatrième groupe. Des énergies... des énergies inattendues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ceci est tombé et je vais la ramasser. Alors, des énergies jeunes, des énergies. Comment te dire? On a un cavalier de coupe, un valet de bâton, un valet de coupe, une reine de bâton, la justice. Bon, ici, concrètement, ça commence pas bien, ok? La situation, on a pu être... donc, c'est le 3 d'épée. On a pu avoir le cœur brisé avant. Et puis ici, on a des très belles énergies qui viennent derrière avec le cavalier de coupe, le valet de bâton. Donc là, on remonte, on retrouve un équilibre avec la justice, la reine de bâton, le 2 de denier, harmonie, équilibre, hein, des choses qui sont bonnes. Et enfin, le valet de coupe, très très jolie carte, mais des cartes, tu vois, heureuses, en fait. D'accord? Alors, des clés aux arbres, ici, me laissent à penser que malgré que ce pachyderme soit enfermé en haut de cette tour, il n'a pas peur, il va aller chercher les clés autour de lui. D'accord? Ici, avec la coccinelle, c'est elle qui va décider de se poser sur toi ou pas, tu vois? Ici, quand tu vois cet éléphant qui cherche des clés dans les arbres, je dirais qu'il n'y a aucune situation qui est trop compliquée pour que tu t'en sortes. D'accord? Ici, on a le jardin qui peut parler de faire une rencontre heureuse ou d'avoir fait une rencontre heureuse et aussi heureux hasard. Ici, on peut parler d'un alignement des énergies, des bons moments. Tu sais, right place to be, right people, le bon moment, être au bon endroit au bon moment, rencontrer les bonnes personnes. Donc, quel sera votre prochain moment de chance, de réussite et dans quel domaine? Ici, on va nous parler de signes, de bonnes personnes au bon moment, un petit peu d'alignement magique des événements, des rencontres, des clés qui tombent de manière inopinée, inattendue, des heureux hasards. Donc, on a du denier, du bâton, de la coupe, de l'épée. Je dirais que il y avait peut-être un équilibre qui était bouleversé. Il y avait peut-être, ça peut être une histoire de travail, hein, avec cette reine de bâton. Ça peut être une histoire d'avoir été dans une situation qui était compliquée précédemment. Ça peut être financier. Tu peux être dans une situation financière délicate, tu as pu perdre ton travail ou pas, mais en tout cas, il y avait une harmonie qui n'existait plus. Et cette harmonie, elle revient.
d'accord? Par le biais de heureux hasard, c'est-à-dire que c'est une espèce d'engrenage, d'enchaînement, d'accord? Donc, quel sera ton prochain moment de chance, de réussite? Ça va être un enchaînement de bonnes nouvelles, ça viendra à la fois de toi, de ta confiance en l'avenir et en te disant que les choses ne peuvent que évoluer positivement, et au fil des rencontres, au fil des l'alignement des bonnes planètes au bon moment avec les bonnes personnes. Ici, tu retrouves le sourire, la joie de vivre, d'accord? C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entamé avec cette petite coccinelle qui s'est déjà posée sur toi, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui te porte chance, un lieu où tu as déménagé, où tu te sens bien et qui t'apporte de la joie. Où tu vas aller pour t'apporter cette joie. En tout cas, ce sera pas à pas et il y a des solutions à tout problème ici. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait, si tu veux, ici, les bonnes nouvelles sont en chemin. Tu peux tout à fait ici, avec cette carte de la coccinelle et puis des heureux hasards, avoir déjà un bon compagnon ou une bonne compagne de route. D'accord? Ça peut être des gens autour de toi, ça peut être des enfants qui te soutiennent, ça peut être des parents qui te soutiennent, un partenaire, une partenaire, qui, de toute façon, font partie de ces heureux hasards de l'existence que tu as rencontrée et qui te permettent d'aller de l'avant, de trouver des solutions à chaque problème ensemble. C'est quelque chose qui n'était peut-être pas attendu, tu n'attendais peut-être pas ça, ou tu n'attends peut-être pas ça, et pourtant c'est ça qui vient. Une personne qui rentre dans ta vie et qui apporte des bonnes nouvelles, de la joie, un soutien. Peut-être déjà là, elle s'est peut-être déjà posée cette coccinelle sur toi. Ou peut-être qu'elle est en train d'arriver. En fait, des clés aux arbres, la coccinelle, le jardin, heureux hasard, c'est le fait que tu saches qu'aucune situation n'est trop compliquée pour être résolue, et qu'en plus tu as des petits coups de pouce du destin comme ça, des bonnes rencontres, être au bon moment, au bon endroit. D'accord? Donc quel sera ton prochain moment de chance et de réussite? Tu es déjà dans un processus de chance et de réussite, t'es peut-être déjà équipé, bien entouré, mais en tout cas, toi, ta chance, ta réussite, en fait, c'est des bonnes vibrations, des bonnes, une accumulation de bonnes relations humaines, de bons moments, c'est vraiment un parcours ici pour toi. Ouais. On retrouve le sourire, la joie de vivre, on n'a pas peur. On sait que ici, un cœur, même brisé, peut continuer à battre. Il y a vraiment, des bons aspects et puis des énergies très jeunes, très énergiques, très fortes. Il y a de l'harmonie. Si l'équilibre, l'harmonie ne sont pas encore là, n'aie crainte, ça vient. Tu vas tomber sur la bonne personne qui peut t'aider professionnellement parlant, sentimentalement parlant. Les renforts, soit sont déjà là et t'aident donc à aller vers ta chance, ta réussite, sinon, ils sont en chemin. C'est une très très un très joli tirage, le quatrième tirage, qui nous parle de personnes qui
Comment te dire? Qui sont résilientes, qui savent qu'aucune situation est inextricable et impossible à résoudre. Aucune situation n'est trop compliquée pour vous, en fait. D'accord? Donc, croyez en vous, vous avez les solutions et vous aurez des personnes ressources autour de vous. Des moments propices à votre chance, à votre réussite. Foncez droit devant. Vous allez connaître des heureux hasards qui vont s'enclencher les uns derrière les autres et vous apporter votre chance et votre réussite qui sera à la fois dans vos mains, mais aussi dans les mains de partenaires de vie et ainsi vous réussirez dans tous les domaines qui sont importants pour vous. Vous serez bien entouré, vous l'êtes peut-être même déjà, et il y aura un alignement magique des événements, les bonnes personnes au bon moment, et tout ça vous fera avancer vers votre chance et votre réussite. Vous avez déjà enclenché le processus, alors continuez, et ça viendra. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.